Avec encore une fois cette vue aérienne magnifique. Splendide ce stade de France, vraiment. Discuté hein, quelquefois pour son ambiance par rapport par exemple au Vélodrome. C'est parti. Un ballon attention, vers il pas en jeu. Nani, oui, il n'y a pas de position de hors-jeu. La frappe enchaînée au-dessus, première alerte sur la cage du capitaine français Hugo Lloris. Oui, sur un long ballon, l'appel de balle est excellent à la limite du hors-jeu de Nani dans le dos de Koscielny. Ronaldo qui s'est fait bouger là par Dimitri Payet, rien dit monsieur Klattenberg. Il y avait semble-t-il quand même un petit quelque chose. Griezmann avec Renato Sanchez et William Carvalho, ils vont mettre ce ballon en touche car leur capitaine est touché. Oui. Récupération de Giroud avec Payet pour Griezmann. Oh, la tête et la claquette magistrale de Rui Patricio. Quelle occasion d'Antoine Griezmann dans l'axe. Et Ronaldo voilà qui jette son brassard de capitaine. Ah, c'est fini. Le signe, on l'a retrouvé, le signe de Ronaldo à son banc. Renato Sanchez qui est venu le réconforter, le changement. Fernando Santos l'a vu. Ah, quel coup dur. Qu'on est triste quand même pour Cristiano Ronaldo. Et Payet qui redonne dans la surface. Oh, quel passement avec Sissoko. La parade de Rui Patricio. Sissoko est sur un nuage ce soir. Et le jeu de passe aussi intéressant entre Antoine Griezmann et Payet. Dimitri Payet lui aussi qui a dézoné dans l'axe. C'est fini pour cette première période, 0-0 ce soir, ce chèque de 100 000 euros. C'est parti, deuxième période. Coman qui va centrer, bon, Griezmann qui rate la balle de match peut-être. Oh, c'est pas possible, quel centre magnifique de Coman. Et Antoine Griezmann, il est tout seul à 3 mètres des buts. Ouais, pour les Français. Coman qui se relève, c'est fantastique ce qu'il a fait avec Giroud qui est en jeu. La part de Rui Patricio qui est intouchable pour l'instant. Mais la coupe. Oui, il va les remplacer par un attaquant, par Eder. Qui était sorti ce centre tendu. Attention Lloris. Quelle parade de Hugo Lloris. Et la deuxième est une prise de balle. Oh, quelle action portugaise. Oh, ce centre-tir qui a failli surprendre Hugo Lloris. Avec Sissoko en position de frappe. Oh. Et encore il est là. Le diable Rui Patricio qui sort tout. Coman pour le centre. Gignac dans la surface de réparation. Bien fait. Gignac. Patricio qui lui a vraiment une chance incroyable ce soir en plus de son talent. Le poteau qui a fait lever le banc français. Andier Préginia qui a touché le poteau. Et de choisir Denis le premier poteau, c'est ce qu'il fallait faire. Rui Patricio avait anticipé au deuxième poteau. C'est terminé, il s'en veut André Pierre Gignac. Il aurait été comme un symbole, l'homme de l'euro. Et Rui Patricio lui peut sourire. La pub et retour au Stade de France. Avec David Ginola, Nathalie Renoux, des invités qui sont ici déjà. Avec Quaresma, un ballon très très haut, deuxième. Et Lloris, un réflexe étonnant, même si c'était un peu sur lui, il était là. Mauvais esprit, attention avec cette frappe. La barre transversale qui sauve Hugo Lloris. Ouais. Comme le poteau avait sauvé Rui Patricio. Ouais, c'était le pied gauche de Rafael Guerrero. Eder qui tient bien debout, la frappe. Regardez Cristiano Ronaldo avec Fernando Santos. Il tient en jouant 25 minutes, en touchant 8 ballons, de tenir son premier trophée européen. C'est fait! Le Portugal est champion d'Europe 2016 en France. Après la frustration qu'ils avaient connue chez eux contre la Grèce il y a 12 ans, les voilà vainqueurs. Oui, une image forte, effectivement, les larmes du côté français et les larmes de Cristiano Ronaldo. Ça s'est joué à peu de choses, évidemment, cette finale, comme souvent, avec cette accélération. Des...